Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Super Mario Maker. C'est le moment de jouer au niveau fait par vous, les abonnés. Let's go! Speedrun 70 secondes, Very Hard, fait par Sparadra de la France. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ton niveau. Et maintenant, nous allons voir ce que tu nous réserves, mais on n'a pas le temps de niaiser. J'ai tombé dans le trou. Je suis tombé dans le trou, pardon. Anyway, on y va. Ah, je t'ai pas obligé de sauter là, je pense, hein. Mais ça, c'est où? What? Je suis même plus comme diriger, tabalouche. Comme ça ici. Je crois que pour l'instant, je vais juste observer la map. Et ensuite, ouais, c'est ça. On va voir ce qu'il faut faire. Comme ça. Yo, il y a tellement d'argent, man. Oh. Oh. What? Ok. Ok, c'est bon. Wow. Oubliez ça, j'ai déjà parlé de speedrun, man. What? Oh mon dieu, ok, attends. Est-ce que je peux passer par là selon vous? Oh nice, ok, fallait juste pogner ça. Oh. Oh. Je tape ça au cas où qu'il y ait de quoi là, mais bon. Oh! En fait, il m'a donné beaucoup plus de temps que prévu. Merci beaucoup. C'est le meilleur. The Tortoise vs Mario, fait par Kevin de la France. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ton niveau. Et maintenant, nous allons voir ce que tu nous réserves. Et là, t'as tué la tortue pour quelconque raison. What the fuck, bro? C'est bon, est-ce qu'on y va? Oh! Oh! Vous avez vu le nombre de personnes qui sont mortes ici? C'est crazy! Oh, mais, pas le choix. Je peux pas prendre mon temps. Faut que je me dépêche comme un fou. Oh, t'es pas sérieux, faut que je me dépêche comme ça. Là, et là je rentre là-dedans, c'est bon. C'est good. Oh my god, je me suis fait fourrer dans le cul, c'est pas incroyable. Ok les boys, vous savez quoi? J'ai pas le droit de faire de coupure de vidéo, on va terminer ce niveau ensemble. Let's go. Et là j'ai tellement envie de... Oh! J'avais tellement envie d'éternuer, mon nez me grattait, c'est incroyable. Maintenant que je connais le layout du niveau, je peux faire ça vite vite. Oh mon dieu, oh, j'ai envie d'éternuer encore, c'est pas incroyable. Ouais, c'est bon. Oh là. Oh, what? Pourquoi? Pourquoi j'ai tombé avec ça, c'est que je cours? Je crois que le trampolino est juste là pour nous faire chier dans le cul, genre pour nous déconcentrer. Moi qui l'ai, comme je l'ai amené au cas où que j'en avais besoin plus tard, mais on dirait que j'en ai vraiment pas besoin. Ok, monnaie est correcte maintenant, let's go. Ok, je vous dis tout de suite, si je forme mon coup une autre fois, je saute par la fenêtre. Vous ne savez pas à quel point c'est stressant, j'ai même pas beaucoup de temps et en plus je fais la course contre une tortue. No good, no good, ça me stresse en maudito. Et là mon nez me démange encore, c'est pas incroyable. Pourquoi je tombe toujours ici? What the fuck? Ok, c'est bon. Là le truc, je me demande, est-ce que je peux juste sauter au milieu comme ça? C'est pas drôle ça. Ok, c'est bon. Là, c'est passé. Je ne vais pas faire mon coup. Mais ça fait tellement chier dans le cul. Je suis pressé par le temps, alors j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe autour de moi. Et là, comme moi, ayant des réactions tortues, je ne suis pas capable de réagir. Ça fait tellement chier. Ok, c'est bon. N'oublie pas, mon petit polo. Il y a des petits pièges. C'est bon. Ça, c'est simple. Oh! 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 Attends, vous avez vu? À cause du piranha, j'ai même pas vu que je pouvais sauter un peu plus au fond. Un peu plus au fond. Quand je pouvais skipper cette tortue avec la piranha sur la tête, là, quand j'aurais pu survivre, là, ça va être vraiment chiant. Ok, vous avez, j'ai une réaction de tortue. C'est moi le Tortoise ici, comme il le dit. Tortoise vs. Mario. Moi, je devrais être le Tortoise. Voyons, non, je sais même plus ce que je dis, tabarnouche.
tout cas, let's go. Je vais t'en niaiser. Ok, cette partie devient facile. Maintenant, ici, ça me stresse un peu. C'est good. Mais je ne sais pas à quoi sert cette partie ici. Y a rien qui se passe, voyons donc. 1, 2, 3. 1, 2. Non! Wow! Popolo, fais pas de rien, de l'avance. Merci beaucoup d'avoir partagé ton niveau. Et là, on va voir, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ok! Moi, comprendre déjà c'est quoi ce genre de niveau. What the fuck, bro? Ok, je viens de comprendre ce qui se passe. Il y avait une pièce au début du niveau. Là, il faut pas la prendre, voyons donc. On va aller là, prends l'épée et on revient. C'est ce qui arrive quand on essaie de se dépêcher. Je ne fais pas d'erreur cette fois-ci. Tout ça juste pour venir ici. Est-ce que vous êtes sérieux? Moi qui croyais que j'allais me téléporter un peu plus loin que ça. Oh, je la sens tellement pas celle-là. Oh, ok, fallait continuer. Ah, ok, peut-être. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il faut continuer? Je sais pas, il y avait un chemin à droite, donc ça fait un petit peu peur. Ok, on va tenter de continuer, juste pour voir ça a l'air de quoi en fait. Ça? Ah, mais attendez! On n'a jamais testé ça! Trois, deux, un, let's go! Je me suis fait avoir! Ok, attendez. Peut-être qu'il faut deux pao en tout, hein, on sait jamais. Ouais, regardez, il y a un autre pao qui va respawn. Logiquement. Ah! Oh, ok, j'ai appris une chose aujourd'hui. Ça sert à rien d'aller en haut à gauche. Hein? Fuck les plateformes. Allez, on y va. On saute comme des fous. Oh. Hey, attends, je me suis même pas fait piéger. Oh, attendez. Mais qu'est-ce? Il y a sûrement Yoshi quelque part. Oh! Sérieux, ma boy, parce que j'arrive pas à faire en sorte que la boule de feu vienne ici. Ouais, c'est pas possible. Il y a sûrement Yoshi quelque part. Ah ben voilà. Ok, c'est good. Le truc c'est que j'ai passé une bonne quinzaine de minutes, je pense, à chercher le bloc caché pour trouver Yoshi. Je ne l'ai pas trouvé. Mais je me suis dit, hey, pourquoi y a-t-il un chemin qui mène vers le haut avec un pow? Peut-être que c'est pour tuer le bonhomme de tout à l'heure. Et là, regardez, j'ai une clé. N'est-ce pas magnifique? Maintenant. Mais voilà, Yoshi, regardez à gauche. Il y a des trucs. Faut aller les chercher. C'est pour ça que je me suis dit, il y a un Yoshi. Il y a des blocs avec comme des blocs qui entourent plein de trucs comme les clés, l'épée, etc. Alors je me suis dit, ouais, il y a sûrement un Yoshi quelque part. C'est pour ça que j'ai cherché ça, mais j'ai pas trouvé. C'était vraiment chaud dans le cul. Mais maintenant que j'ai ceci, peut-être qu'il y a un autre bloc caché ici. Non. Ok, mais comment je peux rentrer là-dedans? Il faut que je revienne en arrière, que j'aille prendre une puce, c'est ça? Intéressant. Ah, je sais pas. Vous savez quoi? On va juste aller là, voir ce qui se passe. Peut-être que j'ai même pas besoin de rentrer dans le bloc de tout à l'heure et j'ai vu quelque chose d'intéressant. Oh! Ça ne marche pas! What? Ok! Oh, ok. Ben, ah! Ok, attendez, il faut tout simplement attendre, je pense. Oh! Good! Je peux pas y aller? Attendez. Oh,
ok, d'accord, d'accord. C'est bon. Je dis toujours ok, ok, je suis vraiment désolé là, mais bon. Alors là, ouais, c'est ça. En tout cas, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais tout ce que je voulais dire, c'est... Attends, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais tout ce que je voulais dire, c'est... je suis en train de me contredire, là. En tout cas, what the fuck? Vous avez vu ça? Intéressant, hein? Ok. C'est bon. Que je meurs les boys. Qu'un dernier. Là ça c'est good. Je suis en train de faire n'importe quoi on dirait hein. C'est bon. Oh je peux même pas prendre mon Yoshi. Yo what? Wow. Okay, ça c'est good. Ok, non, je peux pas amener une bombe là, c'est pas possible. C'est totalement impossible. Oh, ça me donne tellement mal à la tête comme niveau. Wow! Bam! Ah, j'ai compris! Oh, d'accord, Paul! Oh, ah! Wow! Alors, vous savez ce qui s'est passé. Vous vous rappelez au début, ben pas au début, mais avant de faire la coupure de la vidéo, j'étais arrivé quelque part, il y avait une flèche qui disait « Bamba ». Et là, j'avais vu un tuyau collé sur un tuyau. Et là, je me suis dit « Ok, peut-être il fallait passer par là. » Je suis passé par là. Et là, j'ai réussi mon coup. Et je sais que vous avez rien compris, mais on s'en fout! Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!